Bon, salut à tous, petite intro. Bienvenue, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, quoi. Donc, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, que du bonheur pour tout le monde. Les fêtes se sont pas trop mal passées, c'était tout simple, en famille, quoi, tranquille. Voilà, entre nous, et on a été malades, donc. C'était pas top. Du coup, je fais cette petite intro. Bon, tu peux voir, il y a la BM de côté, d'ailleurs. Parce que, en fait, j'ai pas fini cette vidéo et date du mois de novembre, je crois. Donc, je préfère la mettre en ligne. Vous verrez, j'ai pas fini de mettre les vides. Pourquoi? Parce que, déjà, je suis tout seul. Je suis quelqu'un de base. J'ai quelques petites connaissances. Après, j'apprends tout sur Internet. Je préfère le redire au cas où pour les nouveaux et tout, faire un petit résumé de moi-même. Du coup, je me débrouille tout seul. J'essaye par mes propres moyens. Je me suis équipé au fur et à mesure en outillage, tout ça. Voilà. Donc, je sais que c'est. Toujours, c'est pas évident dès le début. Ça fait quelques années maintenant. Donc voilà, après, au fur et à mesure, ça rentre et j'apprends. Il faut s'intéresser, quoi, il n'y a pas de secret. En gros, voilà, j'ai fait mon projet. Après, il faut aimer, voilà. J'ai voulu essayer un petit kit déco. Bon, ben, si ça me plaît pas au fur et à mesure, je l'ai payé 40 balles, hein, sur AliExpress, aux alentours des trucs comme ça. Je l'enlèverai, ça peut pas plaire à tout le monde. J'ai refait la même peinture parce que je me suis débrouillé, sachant que ça vaut très cher une peinture sur un véhicule 2000. Allez, pour repeindre un véhicule comme ça, c'est 2500 euros en moyenne, une peinture complète avec la peinture d'origine. Sûr, ça aurait été joli et tout, nickel. Bon, bref, ça prenait plus de valeur vu que c'était sa couleur d'origine. Ça, le bleu, Montréal Blue, là, qui fait violet, c'est magnifique, elle est magnifique cette teinte et tout, cette peinture. Sauf que moi j'ai décidé autrement, donc j'ai voulu partir sur une base vernie, du moins brillante, un brillant direct. En fait, j'ai repeint la voiture à la bombe, quoi. Il y a des vidéos, je vous invite à voir ma playlist sur le projet 325 TDS. Bon, ouais, du coup, j'ai repeint à la bombe. J'ai repris une valeur sûre que sur mon projet 106 Street Race, pareil, qui est sur ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai repris ma couleur de base. J'ai vu avec ma compagne. Elle m'a dit c'est une valeur sûre, au moins comme ça. Comme c'est une 4 portes, tu peux pas te permettre de faire des couleurs claires version sport. Tu vois, il y a des trucs, ça serait une 2 portes, ça passerait mieux. Bon, bref, je l'ai fait un peu à mon goût. C'est des tests, faut oser. On verra bien. Après, je peux modifier à tout moment. Voilà. Après, j'aime bien avoir les avis des gens. On peut me dire j'ai acquis tuning, je m'en fous. C'est le cas de le dire, peut-être, mais bon. Pour moi, je voulais l'effet. En fait, moi, je voulais le faire en mode. Si elle est de 95, c'est une vieille voiture quand même. Et je voulais la faire un peu à la façon mélangée avec un peu du goût récent, tu vois, comme mettre une lame. Voilà. Vous verrez dans la vidéo. Voilà. Je vous invite, c'était pour vous dire. Donc, tous les problèmes dessus, je suis en train de les régler et tout. Là, vous pouvez voir, la voiture, elle est haute. Je ne sais pas si vous y verrez bien. Parce que je suis en train d'arranger le souci. En fait, elle est sur rampe. Ça c'est pareil, la vidéo va arriver. Parce que c'est pareil, ça va être une vidéo rare. Le titre, ça va être rare, rare vidéo ou en miniature, vous allez le voir par vous-même. Ça va bientôt arriver. Là, il y a eu. Quand tu démontes, en fait, tu tombes sur des trucs, tu dois ranger, des tuyaux rouillés, c'est un exemple, du nettoyage. C'est chiant parfois. Et comme je ne peux pas la sortir parce que je suis en train de faire la mini à ma compagne, elle a un souci de boîte, tout ça. Donc ça c'est pareil, il y a le numéro 3 qui va pas tarder, mais j'ai toujours pas entamé. Il va avoir l'entretien, mais il m'a fallu, j'explique vite fait, il m'a fallu que je fasse de la place la chèvre. Parce que pour maintenir le moteur de la Mini, parce qu'il est juste calé là, comme la boîte est démontée, il tient que par un support moteur. Voilà, il y a du rangement, il faut savoir, je gère tout seul, ma chaîne YouTube et tout, j'aimerais bien en faire sur TikTok. Là, c'est en gros un petit résumé du début de l'année. Comme ça, je vous laisse sur la vidéo après par la suite pour ceux qui veulent découvrir un peu plus la BM. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne veux pas vous baratiner trop, parler trop. Comme ça, si vous n'êtes pas content, si ça vous saoule, vous avancez. Voilà, ouais, vous avancez la vidéo. Et puis. Donc, j'ai fait mon montage vidéo comme j'ai pu. J'ai essayé. C'est pour ça que je varie, j'essaye de changer et tout. Voilà, de faire avec du son, la musique, j'adore, je kiffe. À la base, je fais les montages pour moi, je kiffe mes montages en souvenir. Et après, ben voilà, je fais partager ce que j'ai envie de faire partager, les trucs. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Puis, voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Et je voulais aussi changer sur ma chaîne la photo, pas de profil.
Là où il y a Giromix ABM E30, là. Je voulais. La grande photo de couverture, là où il y a le 325 TDS couleur d'origine, ça, je voulais améliorer, changer un peu. Comme c'est la nouvelle année, repartir, refaire une petite intro. Et ça, vous le verrez par la suite, parce qu'il faut du temps, il faut refaire une intro, faut avoir de l'imagination, des idées, voilà. C'est pas toujours évident. Après, je mettrai en place, on verra les 1000 abonnés, là. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais c'est comme tout youtubeur, il n'y en a pas beaucoup qui mettent des j'aime, qui s'abonnent, tout ça. Donc moi, ça me donnera de la force, ça me donne de la motivation, tout simplement. C'est tout, c'est gratuit. Et voilà, ça me donne envie d'avancer, de vous partager un peu du contenu si vous aimez bien. Après, voilà. Je vous obligerai, hein, moi. Après, je peux mettre mes vidéos en privé, mais bon, ça sert à rien. Voilà. C'est le but aussi de YouTube, du partage. Allez, sur ce. Je vous laisse sur la vidéo avec ma petite intro, le petit générique, quoi, de Géomix. Et même pas 130 abonnés, là. À l'heure actuelle, on est 870 sur ma chaîne. Donc, c'est le top. Et j'aime bien. En plus, ça monte comme ça. Je fais même pas de partage. Ouais, je partage sur ma page Facebook. Après, c'est pareil, ça, je vais vous le dire. Comme j'ai une connexion de merde. Et puis même, ça prend du temps. Moi, les réseaux sociaux... Ça bug, c'est bon. Ouais. Je partage juste sur ma page, histoire que y en a qui le voient, quoi. Bon, bref, qu'il y ait plus de chance. Sur ce, je vous dis bonne continuation. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. Elle n'est pas finie, les jambes, tout ça, bien sûr, ça viendra. Et le véhicule, je tiens à le préciser, je m'en sers pas. J'ai d'autres véhicules, comme le fourgon, j'ai l'Opel que j'ai réparé, aussi que l'embrayage. Et j'ai toujours des petits soucis qui m'arrivent, tu vois. Des petits trucs de rien du tout, mais bon, c'est moi j'ai la passe, c'est toujours au moment, à la fin, ou voilà. Donc, sur ce, tous, bon visionnage et bonne année, bonne santé, à bientôt.
Je précise, car sinon les vidéos seraient trop longues et puis mettre en accéléré, des fois ça peut vous faire tourner la tête parce que des fois je mets du punaise d'accéléré, quoi, voilà. Comme les garnitures comme ça, c'est juste du remontage, hein, je vais pas filmer. Hein. Voilà, c'est des clips à mettre, voilà, je vais pas. C'est pas des tutos là, on est sur une vidéo, voilà. Donc je pars pas plus longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver là, hein, dans la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, même si ça dure un moment et. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, à tout à l'heure, j'avance. Bon, aujourd'hui. J'avais cassé mon trépied, j'ai réussi à me trouver une petite poignée que j'avais et tout. J'ai adapté, c'est nickel. J'ai réussi à faire tenir le portable avec un colson ou un colis. Du coup, là, je vais remettre. Alors, si vous entendez des bruits, désolé, c'est les bruits de la perche, quoi. Alors, j'espère que j'ai bien serré. Bon, maman, oui. Alors là. J'avais tout nettoyé parce qu'il y avait l'huile de direction assistée qui est tombée. Bon, faites pas attention au bazar, ça va être rangé. En fin de journée, là, on est le dimanche. Du coup, j'ai repeint ça. Merde. Donc, pour l'instant, je vais pas la sortir, la bagnole. Attends. Voilà, j'ai repeint avec une bombe, là, de mat, haute température, c'est nickel. Voilà, je vais remettre ça. Ici le repositionner parce que comme ça derrière les calandres ça passe crème avec le ventilo. Ensuite je vais remettre le phare. Après j'enlèverai le pare-choc pour pouvoir mettre les aérations derrière que j'ai nettoyé et tout. Elles sont toutes propres et tout avec les capteurs. Je sais pas c'est quoi les trucs d'air là. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Tant qu'on voit le moteur, je viendrai faire une petite déco plus tard. Une déco, arranger ça à mon goût, mais ce sera l'année prochaine. Voilà, pour cette année, on va finir avec la carrosserie, comme ça au moins, il y aura l'intérieur. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver pour 2023. La rabaisser, les jantes, tout ça. Voilà, c'est pas fini. Du coup, je sais pas si je vous ai fait montrer, voir. J'ai monté un côté, le clignotant, j'ai pas testé, j'ai pas allumé. Je ferai l'autre côté, la baie de pare-brise. Je te la ferai voir au pire le capot fermé. Voilà, j'ai remis des caches. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai remis le passage de roue avant. Je l'ai réparé et refixé parce que moi, comme un idiot, je l'avais laissé détaché. On peut apercevoir là au côté de la vis, tu vois, j'ai réparé. Et du coup, là, j'ai tout bien remis. La roue, tout ça. Je l'avais détaché comme une idiot et en fait ça roulait dessus. Je l'ai abîmé quoi. Et puis il me restera l'autre côté à remettre, mais ça je le ferai hors caméra. Je laverai un coup. Voilà, je laverai vite fait, je déferai la roue. Ouais, je râlerai bien. Enfin, je refixe ça aussi. Donc là, ce que je vais faire, comme c'est une poignée qu'on peut mettre sur un pied, quoi, du moins ça peut servir de pied aussi. Et je vais vous positionner devant le véhicule et je vais remettre tout ça là et tout. Voilà, ou même je vais vous mettre sur le moteur, on va voir. Je vais trouver un moyen de vous poser. Allez, tchuss. C'est parti. Donc voilà mes deux morceaux de durite. On tire un cylindre bloc, je mets la vis. Il y a du jeu, mais tant mieux, c'est pas grave. Ça va en bouger. Impeccable.
pare-chocs, pour mettre les aérations derrière, mettre une lame, la lame de M4. Allez, c'est parti. Je prends un support, sèche-neige, mon frère. Bon, ça commence à prendre forme, hein, ce projet, mais vraiment, là, ça commence vraiment à me plaire. Bon.
Bon, je suis en train d'enlever l'eau le maximum là d'eau, mais c'est une misère. Avec le froid qui fait et tout, ça veut même pas sécher. C'est voilà, je suis en train d'éliminer les aspérités et tout ça. Donc voilà, ça met du temps, mais regarde-moi ça, ça c'est une bonne BM. Bon. Il y a le bain, c'est qu'après il va faire nuit et du coup j'y verrai rien. Donc demain je continuerai à faire le reste. Je finirai ce côté. Voilà. Sachant que je devais faire la mini. Mais je pourrais pas la faire encore. Voilà, parce que je galère tout seul. Et le froid, ça aide pas. Pas de soleil, rien. Il y avait un peu de soleil, mais vite fait, quoi. Donc voilà, faut que j'attende, ça refait des bulles. Tu m'étonnes, c'est une misère. Mais ça va, faut pas s'agacer, faut avoir la patience. Bon, je suis dans le garage, j'ai les nerfs, là. Vous savez quoi? Je suis tout seul à faire ça, et vous savez, on est le combien, le 4, le 5, on est le 6 novembre, on est le 6, bon. J'ai redécoupé à des endroits, là j'ai tellement fait chauffer, ça fait des défauts, c'est la merde, il fait trop froid. Et en plus, c'est les trucs d'AliExpress, donc c'est les trucs de Chine, donc ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que ça vient de Chine que c'est pas de la qualité. Hein. Donc moi j'ai, parce que on serait été à deux, c'est mieux, il y en a un qui tient un peu levé, l'autre avec la spatule, voilà. Il décolle et avec la spatule, voilà, ou un coup de shit et tout. C'est moi, je le fais avec de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle mélangé dedans. Et en fait, voilà, comme si on voulait poser les vitres. Donc là, il y a encore plein de bulles, il y a plein de, du moins, des bulles. Voilà, là où je sais pas si vous allez voir, c'est incroyable. En plus, je suis en train de rire. Alors, pourquoi j'ai enlevé la protection aussi? Mais parce que vu que je le fais tout seul et je suis pas dans une pièce, je suis dans mon garage, tu vois, le garage. En plus, j'ai fait de la place, heureusement. Je travaillais, voilà, tu vois. Bref. C'est parce que j'avais peur que après ça se décolle. Parce que même là, si tu veux, regarde, ça se décolle. Donc, j'espère pas qu'avec le liquide, ça a enlevé toute la colle parce que j'ai plus qu'à enlever tout ça et basta. Mais sauf que là, il fait des journées à même pas 10 degrés. Donc comment te dire, comment tu veux que ça sèche, ça tire, ça s'assouplisse, en plus c'est raide comme je sais pas quoi, et ça se brise comme du verre. Donc petit par petit, je vais enlever les petites bulles restantes, mais voilà, regarde, ça déforme tout, ça c'est une galère, voilà. Poser son kit déco tout seul, c'est pas évident, il vaut mieux le faire dans une pièce tempérée, voilà, plus de 20 degrés, ou le faire soi-même. Bon voilà, si vous voyez des défauts sur la carrosserie, c'est normal. Il y a des traces et des trucs, voilà. Tu vois, regarde. J'ai les mains sèches, hein, mais regarde, tellement c'est humide, point barre, c'est humide. Et en plus, c'est trois bandes collées les unes à côté des autres. Donc, regarde, hop, il faut qu'il y en ait une, ça se bouffe un peu sur le rebord. Bon là, vous n'allez pas trop bien voir. Mais en fait, par exemple, t'as le rouge, l'autre qui va, le bleu foncé va dépasser un peu sur le rouge. Bon, ouais. Je peux pas vous en dire mieux, moi je le fais tout seul, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais j'espère que ça va s'atténuer. Il y a des écarts à des petits endroits, c'est pas évident. Voilà. Ah oui, je voulais dire, j'ai oublié de dire, c'est pour ça que je mettais la vidéo. Parce que là, vous êtes à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Voilà, ça, j'ai dû m'arrêter parce que c'était chiant de poser, tu vois. Déjà, c'est casse-couille à poser ce truc-là dans le froid, quand il faisait froid. Poser des autocollants, ça se casse, c'est raide, il faut les faire chauffer. Normalement, il faut une température ambiante, tu vois, le faire à l'intérieur, chauffer ou quoi. Après, comme il faut que je teinte les vitres avant de les remonter, c'est un peu logique, elles sont démontées, les nettoyer et tout. La lunette arrière, pareil. Donc, il faut aller dedans. Là, tu vois, je suis en train de faire autre chose. C'est un peu la misère, tu vois. C'est la galère. Donc, c'est pour ça. Et puis, j'avais la mini. C'est pas une excuse, mais bon, je me suis penché aussi. Il fallait qu'elle roule plus rapidement. Ça, là, ça presse pas parce que j'ai d'autres véhicules. Je me sers et la BM, je veux qu'elle sorte. Voilà. Je veux, le jour qu'elle sort, qu'elle soit terminée et tranquille, quoi. Bon, voilà. Et comment dire, c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté, façon de dire.
en stand-by, voilà. Parce qu'il y a des rétros, faut que je peigne des petits trucs. J'ai toujours pas fait. Le temps, pourtant, il y avait du beau temps, mais j'ai dû faire autre chose. Je peux pas tout faire. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, t'abonner. Je te le redis au cas où, parce qu'il vaut mettre le répéter, insister. Et puis voilà, je compte sur vous. Allez, je suis désolé, elle n'est pas finie, mais voilà, j'attendais pour la sortir parce que je comptais finir, remettre les joints. Il y a des trucs, faut que je rachète, comme le joint de lunettes arrière. Bon, bref, ça viendra avec le temps. Et puis voilà. Il y aura d'autres choses à faire, l'entretien un peu, refaire une vidange, changer des joints. Mais ça viendra, des vidéos vont venir, t'inquiète pas. Allez, portez-vous bien. Je voulais faire même une vidéo par semaine, mais bon, je vais voir. Je crois que je vais continuer comme ça, à sortir quand je peux, quand je, parce que je sais pas si j'arriverai à tenir une vidéo par semaine. Tantôt, il y en aurait deux par semaine. Ça dépend comment j'avance, le montage, tout dépend de tout. Quand il y a de la musique, que je veux faire au rythme de la musique, la vidéo au rythme de la musique, ça prend plus de temps, logique. Voilà. Donc j'espère que je ne voudrais pas trop saouler dans cette vidéo. Et après, il faut bien parler, il faut bien vous expliquer, un peu de dialogue. Vous me voyez, c'est normal. Vous savez qui vous adressez, mais il y a des nouveaux, il y en a qui ne savent pas. Donc il faut redire, rabâcher des trucs. Voilà. Donc vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez, si vous le souhaitez. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Vous me le dites. Moi, j'aime pas, perso, c'est dégueulasse. Donnez-moi des idées, même de déco, des trucs comme ça. On verra. Allez. Après, ça peut venir dans les mois suivants. Bon. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi, mais ça va arriver. Allez, tchuss. À bientôt. Surprise.